Étudions l'utilisation de l'en-tête et du pied de page dans un tableur. Lorsque vous avez terminé votre travail, vous pouvez en faire un aperçu et voir l'ensemble de la mise en page. Si vous allez sur le bouton Formater la page, vous aurez accès à deux onglets qui s'appellent En-tête et Pied de page. L'en-tête est la partie supérieure de la feuille où c'est écrit Feuille 1. En allant sur l'onglet En-tête, je peux décider de la désactiver afin de ne plus voir afficher ce nom feuille 1 qui est tout simplement le nom de la feuille. En le désactivant et en cliquant sur OK, je vois que cette en-tête disparaît. Voyons maintenant comment éditer une en-tête ou un pied de page. En retournant dans Formater la page, je peux aller dans le pied de page et cette fois-ci, plutôt que de la désactiver, je vous propose d'aller éditer ce pied de page. Une en-tête ou un pied de page se divise en trois zones. Vous avez une zone gauche, une zone centrale et une zone de droite. Dans la zone de gauche, si vous cliquez dans cette partie, vous pourrez y mettre par exemple votre nom suivi de votre prénom. Dans la zone centrale, il y a décrit page 1. Si votre document comporterait plusieurs pages, nous constatons que le 1 est en grisé et donc il numérotera l'ensemble des pages. On peut y effacer en sélectionnant, on peut supprimer cette zone centrale et en utilisant les petits boutons qui sont là, on pourra y insérer d'autres notions. Par exemple, vous pourrez y insérer la date. Automatiquement, la date du jour apparaît. Dans la zone de droite, je vous propose de pouvoir y insérer le nom de la feuille. C'est une autre fonctionnalité, c'est tout simplement le nom de la feuille sur laquelle nous sommes en train de travailler. En cliquant sur ce nom de feuille, je vais faire apparaître le mot feuille 1 puisque c'est pour l'instant le nom de notre feuille. En faisant OK, je vais simplement constater que dans mon pied de page va apparaître un nom, un prénom, et au milieu la date et complètement à droite le numéro de la feuille. Voilà comment utiliser les en-têtes et les pieds de page dans un tableur.